Then you stop him, Supermax. Chloe, you can't keep blaming me and everybody for everything wrong in your life. It's so not fair. I gotta blame somebody, otherwise it's all my fault. Fuck that. So now it's Rachel's fault too? Jesus, she was banging that pig, Frank! Bitch lied to my face, Max! I can't trust anybody again. Everybody pretends to care until they don't. Even you. Chloe Price, you better take that back. Right now. Okay, fine. But you just don't understand. It's like I'm being punished by the universe. So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? You blame William? Really? Yes, I do. Damn right. He chose to go out that door and leave me forever. Chloe. Your dad didn't choose to leave you. I know that, Max. My mom actually blames herself. Just because she wanted a ride home from work. Sometimes, even I blame her. No, you don't. Yes, Max, I do. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? And he never does? No, of course not. But I was with you that day. It was just a terrible accident. I wish that made me feel better. But ever since he died, my life has been dipped in shit. You don't want to hear this, but you're still here, alive, with me. And that is no accident. You're right. I don't want to hear this. Chloe, I can't do this out on my own. I need you with me. And Rachel needs you. What? C'est pas très jovial tout ça. Et ce n'était que le matin, les cours n'ont même pas commencé. Oh my god, what is happening now? Qu'est-ce qui se passe? On peut revivre les moments. Someday Dad will get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Not until I see it first. You know the rules, Dad. Max, tell him. Whoa, hey. You look totally pale. Are you okay? Yeah. I just... Yeah, I'm fine. Okay, Chloe. Give me the thumbs up or thumbs down. Well, I might just allow this one into the family album. You're the boss. What is this? But not the cook? William is here. Daddy. Yes, and we can't. Chloe is just a kid. And serve us slackers. Am I that far back in time? You mean pancakes? In France, they call them crepes. I'm 18 years old inside my 13-year-old self. How? We. I volunteer to break the eggs.
un plot twist inattendu. William, ça prend pas la route. I love William like he was in my own family. I won't let him die today. I won't. Est-ce qu'on peut vraiment l'empêcher? Je ne pense pas, mais ce serait génial. So damn happy and carefree. Ce serait complètement ouf. And this is the last time unless I change it. Ce serait complètement ouf qu'on puisse ou non le sauver. Que t'as le choix entre les deux. Alors là, enfin le choix, que tu puisses ou non te louper. Comme Kate. Alors là, ce serait complètement Joyce pas. Loves William so much. Je peux remonter le temps, ok. Je vais juste tester. Le téléphone. Où est le téléphone? Ne prends pas le téléphone, c'est moi qui vais prendre le téléphone. Hello? Hey honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course, I'll come pick you up. Okay. Prise téléphonique, on va la débrancher. Hop. Boom! Disconnected. Oh shit! Hey honey. I have no idea why the home phone didn't ring just now. Shit. I'm just making a fabulous... Connected. Là. Regarde. On va remonter why plus le temps. Est-ce que je peux I'll te parler? Est-ce que je peux te prendre ton téléphone? Mr. Price, in case you're thinking about using your car, I heard there's awful traffic and road construction. So you shouldn't drive at all. Max, you are the road warrior. I promise, if I have to go anywhere, I'll drive like I'm taking a test. Fair enough? Not really. I just know the roads prends are bad téléphone. And stuff. So... So you... Since you're obviously my personal GPS, I feel safer already. So don't look so worried, Max. Listen, don't let your dad take his car today. I know it sounds weird, but please believe me. Something terrible is going to happen. You have to stop him from driving anywhere. Whatever, weirdo. What kind of thing is that to say about my dad? I'm not joking. Then you stop him, Supermax. Oui, stoppons-le nous-mêmes. Faisons-lui les poches. Et après, on remonte le temps et il verra rien. De toute façon, il a l'air super sympa, ce mec. J'ai pas envie qu'il crève. Bon, bref. Boom. Oh non! Attends. On va répondre nous-mêmes. Sorry, wrong number. Max, come on, you know better than that. Hello? Hey, honey. Just make. Ça ne sert à rien. Okay, disconnected. Bon. Ça, y a pas de souci. Mais comment est-ce que je peux prendre son téléphone? Il doit y avoir un truc. Il doit y avoir un moyen. Hey, honey. I have no idea why the home phone didn't ring. Yes, here's the Two Whales number. Now I can warn Joyce. Mais ça marche pas comme ça. Just now. Okay. Hello. Hi, could I please talk to Joyce Price? Oh, she left? Damn. Are you sure? Je laisse des empreintes okay, partout, mais... Okay, sorry. Thanks. Je vais pas remonter le temps à chaque fois, donc il faut pas déconner. Ça, ça ne sert à rien. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que je peux prendre? I know they never took that big vacation. On s'en fiche. Oh yeah, I miss movie nights here. Cookies and popcorn. Hello? Okay. Hey honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. Blah, blah, we're blah. Going to work at the Two Whales. Chloe was so into manga. Nice hair. What? What a mess we made. I remember those cool drawings I did with now Chloe. I used to get a mocha. Be there shortly. Love you. I know I've seen those pictures before. I have to stop William from taking his car today. Ladies, I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious.
Les clés de voiture. Est-ce que je peux prendre les clés de voiture? Oh, ce téléphone qui vole. Now I get to take a picture. Strike a pose. Make me a star. Just make me look young. You can see the bond between Chloe and her father, and the love. Now this is a photo. Celle-là, je l'ai. Je ne l'aime pas. Boom. Disconnected. Comment je peux faire? Je peux pas choper les clés. Hey, honey. I have no idea why the home phone didn't ring just now. I'm just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What? Joyce loves William so much. Oh, oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there soon. Whatever, whatever. Love you. That's a cool snow dough. Excuse me, ladies. I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. No. She doth have many bags of delicious grub for us to feast upon. Attends. Attends, ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar! You mean your college fund. Keys, please. Sont les clés. Allez, dis-moi où sont les clés. Ça, je les chope. Si tu les retrouveras jamais. Ah, you can't... Why the home phone didn't ring just now? I'm just making a fabulous breakfast. Score! We're all going to work at the Two Whales. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. Je peux juste le garder. Le but, c'est juste qu'il prenne pas la route pendant un certain temps. Excuse me, ladies, I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious grub for us to feast upon. You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar! You mean your college fund? Keys. Il suffit que je l'évite en fait, c'est bon, j'ai pas besoin de cacher les clés quelque part. Si je les cache quelque part, je sais qu'il va les retrouver, donc bon. Shit, where are those keys? Another dollar for the swear jar! You're bankrupting me! Moi, je pourrais les mettre dans l'évier. Max, this is not the best time for a prank. Keys, please. Shit. I was just... are you sure Joyce is ready? Let's just wait. Normalement, on lui a déjà fait perdre du temps, là. Donc, il ne devrait pas avoir l'accident. I'll get you back someday. Je dis ça, je dis rien. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad! Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving. That makes all of us. Peut-être qu'elles seront moins dans l'évier. Non, mais... Ok, apparemment, je suis censé le sauver au final. Genre, voilà. Ce n'est même pas une option. Be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Je les ai totalement sur moi. Là, elles feront peut-être du bruit, peut-être pas. J'en sais rien du tout. Oh yes. I know I had those keys right here. I know it. On les a foutus en l'air. Forgot all about you, little buddy. Release the keys. Of course. Last time I ordered from Spy Guy Electronics. You can take the bus, right? The stop is right down the street. This I can do. Good call, Max. Oh yeah, the bus is great. It comes every 15 minutes and there'll be plenty of room for you. Il sera mort, mais elle nous en voudra, nous. And it'll save the environment. You sold me already. I'm off to yonder bus stop. Joyce will love this. Max, you are being so fucking strange.
You feel okay? Chloe, I am awesome. We are awesome. Oh, ça a marché. Du coup, on a un peu tué les gens qu'on... Enfin, au moins la Chloé qu'on connaissait, on l'a un peu tué pour une autre, mais... Mais c'est un brave type, il méritait pas de mourir. Par contre, ça a énormément d'implications là, genre il y a tout qui a changé. Même le coup avec Rachel et tout ça, tout peut être bouleversé là. Ah. Hello, are you even listening, Maxine? All my friends in LA told me that Oregon was Max. Wet and cold every day. But never, like Maxine. So that's why she was laughing so hard. I know. Sorry, Mad Max. You're not pissed at me, right? Right? No, it's people in Oregon. Do you want to go hit the girls' potty and smoke a peace pipe? I think Max is high. She's acting like so weird. You cool, Max? Nobody listened when I said we shouldn't let her in the vortex. Courtney, you don't want anybody in the club. Like whatever, bitch. What? Warren, he hooked up with Stella? Oh no, this is totally fucked up. What else have we changed? Oh, le mind blow. Chloe. Salut. T'as l'air beaucoup moins sur les nerfs. Ah mais on va se réveiller, c'est pas pour de vrai. Moi, je suis content que le mec soit pas mort, s'il est pas mort, mais... Oh mon dieu, pendant 3 épisodes, on nous dit, voilà, les relations que tu vas avoir, c'est ça, et finalement, non. Peut-être qu'il n'y a plus de catastrophe, du coup. C'était bien. Ok, bah totalement il y aura des catastrophes. Il y a totalement des catastrophes. Complètement. Max Caulfield, taking a break after taking Seattle by storm, huh? We thought we'd never see you again after you left for the big city. No. I'd never do that to Chloe. Speaking of, I know she's been dying to see you. Hold on. Chloe, you have a visitor. Thank you.
complètement eu un accident de la route. Ça ne va pas se finir comme ça. Mais ça va se finir comme ça. Comment je vais faire pour attendre le prochain épisode? Ce mélange de joie et de tristesse. Oh là là. Ouf. L'épisode était calme en plus, enfin, il y avait des scènes un peu d'action machin, mais l'épisode était calme, et il se passait des trucs mais pas très, tu sais, c'est genre l'enquête, mais avec tellement peu d'indices, et tu te dis ouais, l'épisode 2, il y avait déjà des gros trucs, mais ça avançait pas beaucoup, et là, pareil, et là, boum, mind blow, et en fait, tout ce que t'as fait, ça sert à rien, enfin si, ça t'a amené à au moment où tu vas tout changer, quoi, mais... Il y a deux options. Soit épisode 4 et 5, c'est de la folie furieuse et ça nous refait un mind blow dessus, ou je sais pas ce qui se passe, j'ai aucune idée de ce qui va se passer, je sais juste qu'on va empêcher une énorme tornade, mais maintenant tout a changé, toutes nos relations sociales ont changé, c'est toute une folie ça. Soit l'option qui me fait peur, c'est. Un épisode 5 cool, mais un épisode 4 qui resserre d'exposition pour nous permettre de mieux comprendre dans quelle nouvelle situation on est. Et donc avec qui est-ce qu'on s'entend bien, avec qui on s'entend moins bien, etc. Enfin, quelle est la nouvelle place qu'on prend dans ce monde-là et à quoi ressemble le monde maintenant que tout est différent. Ça me fait un peu peur parce que j'ai envie de savoir à quoi va ressembler le monde. Enfin, comment se portent les personnes, tout ça, ce qui s'est passé, pas tout. Au final, on a toutes ces années à rattraper de nouveau. Mais d'un autre côté, j'ai trouvé que ça fasse un rythme pour le quatrième épisode qui vaille un premier épisode d'une saison, quoi. Notamment d'une saison 1. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais l'appréhender, mais en tout cas, j'ai tellement hâte. Oh ! Ah, ils m'ont tué, là. Je vous laisse méditer là-dessus jusqu'à ce qu'on ait les scores de la fin. Les statistiques. Oh là là. Je pense qu'on n'avait pas le choix, hein, qu'il fallait le sauver de toute façon. Mais what? Je vais tellement me faire à manger après. Ce que j'ai dans le frigo là, mais je vais totalement me faire à manger. Quelle bande de bâtards. Je sais pas s'il sort le mois prochain ou le mois d'après. Je pense qu'on aura droit à un petit message à la fin pour nous dire s'il sort en juin ou en juillet. Je parierais sur fin juin là.
Là, le... Forcément, vous allez l'avoir un million d'années plus tard, mais... Je viens de faire une session pour tout l'épisode. Life is Strange, c'est simple, je fais une session par épisode. Je fais pareil que pour les Telltale. Un épisode, c'est une session, blam, on n'en parle plus. Enfin, si on en parle longtemps dans ma tête. Et là, en l'occurrence, l'épisode 3 vient juste de sortir, il est sorti aujourd'hui. Je suis rentré du taf, il venait de... Enfin, il s'est téléchargé dans la journée, là, donc je l'ai fait direct. On n'a pris aucune photo secondaire, d'ailleurs, dans ce chapitre-là. Si, la seule photo secondaire qu'on a peut-être prise, c'est le fait de prendre en photo Chloé et son père. C'est la seule qu'on a chopée. Bon, j'ai un petit peu cherché, mais sans plus. Je pense qu'on pouvait prendre l'écureuil en photo. Je pense. Eh ouais. J'ai un peu cherché, mais sans plus, parce que j'avais envie d'avancer un peu quand même. Et des baleines sont mortes. Mais du coup, ça va tout changer, sérieux. Est-ce qu'on a... Bon, la tornade, ok, j'ai compris qu'on l'avait encore, les baleines sont mortes, c'est pas bien. Est-ce qu'il y a encore l'enquête autour de Rachel? Parce que vu son état, peut-être que Rachel et Chloé étaient pas ensemble. Et peut-être que du coup, je sais pas... Est-ce qu'il y avait encore le truc autour de Kate? Parce qu'apparemment, on a l'air d'avoir une influence... On a l'air de s'entendre super bien, même avec les grandes pompes, et Nathan est en train de rigoler au pied d'un arbre. Genre, Nathan n'a pas été exclu de l'école, donc on n'a pas fait tout ça, donc tout a l'air de se passer au mieux à l'école. Donc, peut-être qu'il n'y a plus de problème avec Kate, peut-être qu'il n'y a plus de problème avec Rachel, peut-être qu'il n'y a plus de problème avec Frank. Ce qui sont des bonnes choses, mais ce qui est un peu en mode... Au fait, toute l'enquête là, blam, il n'y a plus rien. Bon, ça, j'ai totalement hâte et totalement peur de l'épisode 4. C'est affreux. Alors, voler l'argent ou laisser l'argent? Ouh, c'est disputé. Je peux comprendre. On a embrassé Chloé comme la grande majorité des gens. Parce que quand même. On a pris parti pour Chloé. 17% des... Je sais pas pourquoi il y a que la moitié des scores qui sont affichés, mais très peu de... La grande majorité des gens ont pris parti pour Chloé, pourquoi pas. On n'a pas laissé le chien de Franck être blessé. Bah oui, normal. Et il y avait moyen de récupérer le pistolet de David. Et on l'a juste loupé. Mince. Celui-là, par contre, j'aurais aimé l'avoir. Je préfère avoir le pistolet plutôt que... Remarque, Chloé qui a le pistolet, je sais pas. Oh, on verra. Mais d'un autre côté, enfin, est-ce que ça s'est vraiment passé du coup, vu que tout a été rewind Est-ce que ça s'est vraiment passé Non, arrête de charger, rendez-moi là. Y a pas de... De mini-truc. Ah, voilà. Alors... Lisa est en vie ou Lisa est morte? Ah, on a la plante est morte. Bah ouais. Ensuite, aider Warren pour son examen. Ah, il y avait moyen de tricher pour Warren. Ok. D'être sur la liste de la fête du Vortex Club. Bien sûr qu'on est sur la liste. Vous n'avez pas changé la liste des invités du Vortex Club. On pouvait. On est passé à côté de tous les choix. Le message du répondeur. Vous avez effacé le message des flics sur le répondeur. Quel répondeur? Ah, chez Chloé. J'ai même pas écouté ce qu'il y avait. En même temps, tout ça s'est pas passé parce que le répondeur c'est plus le même. Enfin, voilà. On a loupé tous les choix. Mais de toute façon, est-ce que c'est encore valable? Ensuite, aider Alyssa. On n'a pas aidé Alyssa. C'est vrai que d'habitude, on a un truc où il faut aider Alyssa. Et là, on a loupé. Bon, bah, attends. Bon, bah, ouais, on a loupé le grand chelem, quoi.
On n'a pas prévenu la SDF parce que je ne savais pas qu'il y avait une SDF et qu'il fallait la prévenir pour quelque chose. Je ne sais même pas à quel stade de ma vie ça s'impose comme choix. On a pris une photo dans le passé, oui. Et on n'a pas laissé de dessin sur la cheminée. Alors attends. 1, 2. Il y a deux choix sur toute la liste où je les ai captés. Tous les autres, je suis passé à côté comme un gros bœuf. Oh, oh là là. Oh, ça y est, on a enfin la soirée. Oh, 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 oh. Et il y a le flingue. Ok, The Dark Room. Rachel is in The Dark Room. Non, c'était Rachel. Je ne sais pas, je ne sais plus. Si vous êtes affecté par certains des contenus de Life is Strange, veuillez consulter notre site internet. Oui, donc si vous avez été choqué par... certains... Il y a des groupes de soutien, ouais. Ça c'est suite à la fin de l'épisode 2. Si vous avez été choqué par quelque événement que ce soit dans ce let's play, c'est un peu tard maintenant vu que c'était pour la fin de l'épisode 2, on est déjà à la fin de l'épisode 3, mais peut-être qu'il y a des choses... La fin de l'épisode 3, peut-être qu'il y a des choses qui vous ont choqué aussi, peut-être que les têtes Chloé vous a choqué... gravement, je ne sais pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à consulter le site de... qui était en dessous de l'écran là. Enfin, en dessous, en bas de l'écran plutôt. Pour voir si vous avez des groupes de soutien à porter. C'est important. C'est important et vous n'avez pas à avoir honte pour ça. C'est totalement normal et nous sommes une espèce quand même qui a l'avantage de vivre dans une société où on peut se soutenir les uns les autres, alors autant en profiter et autant le faire. Parce que c'est signe de sagesse et le fait de savoir vivre ensemble, tout simplement. Ce qui nous permet de bâtir tout ça, y compris ce magnifique jeu. On se retrouve pour l'épisode 4 et je ne vois pas de mois de juin, juillet. Ça a été annoncé, je crois. Je crois qu'il y a les dates de sortie, du moins les mois qui ont été annoncés à un moment donné. Il faudrait que je regarde sur internet. Bref. Bon, on se retrouve pour l'épisode 4, qui me fait très peur. Je vais être honnête, ça me fait peur. Mais je suis tellement impatient d'y jouer et il va enfin y avoir la soirée. Ça va être la fête. Épisode 4 Dark Room, dès que possible. On se retrouve pour ça ou pour d'autres choses. Je sais pas, je sais plus. Allez, à toutes. Et portez-vous bien, c'est important.